Moi, je travaille dans l'ombre, c'est-à-dire que moi, je tourne mes petits boutons, je mets mes petits micros, etc. Je mets tout en œuvre pour que le public soit heureux en sortant d'un concert. Pendant des années, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de consoles retour. C'est-à-dire que c'est la console en fait, qui donne le son aux musiciens. C'est très spécifique, c'est-à-dire que je deviens un petit peu musicienne quelque part. C'est-à-dire que je me mets à la place d'un musicien et je lui donne du son pour qu'il s'entende. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, moi, si j'étais chanteuse, si j'étais violoniste, si j'étais je ne sais quoi. En fait, je voudrais entendre cela. J'ai besoin d'entendre ça pour pouvoir jouer en place, pour pouvoir jouer juste. J'ai été nourrie depuis toute petite par cette musique-là. Donc c'est, là, je pense que la question, je ne me la suis jamais posée. Est-ce que je voulais aller dans la musique traditionnelle ou pas? Non, en fait, c'est venu à moi naturellement et j'aime ça, donc je continue. Je prenais des cours de piano et de harpe au conservatoire. Donc normalement, j'étais plus partie pour continuer à jouer de la musique. Mais pendant mes études, il y avait des cours de son. Et là, en fait, j'ai eu une révélation. J'ai fait « Ah, mais j'adore !» En musique traditionnelle, il y a vraiment le travail du son est assez important aussi parce qu'on est souvent sur des instruments acoustiques où on a des instruments où on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de micro spécifique fait pour cet instrument-là. Donc il y a souvent un travail à faire pour savoir que mettre, où et qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire. Après ça, c'est encore autre chose. Du coup là c'est Parvin, là ça va être Youn, là ça va être Flo. Disons que l'avantage que j'avais lorsque j'ai commencé, c'est que j'étais très sportive. Et je faisais du judo et en fait au judo, on est très musclé, très souple, endurant. Et je pense que ça, si je n'avais pas eu cette condition physique-là, j'aurais pas fait deux jours. C'est-à-dire que j'avais une condition physique avant qui faisait que j'avais autant de force qu'un garçon. Je savais porter, puisque voilà, au judo, on apprend en fait à travailler avec le dos, etc., et les jambes. Du coup, naturellement, moi, c'était pas quelqu'un que j'avais en face de moi, c'était des flys. Donc, je pense qu'il y avait le rapport de force avec le fly s'est fait naturellement parce que je savais l'appréhender. Je pense pas qu'on dise « Ah non, on veut pas de ce groupe-là parce que c'est des filles ». Ça s'est jamais entendu. On m'a jamais dit « Ah ben non, on veut pas Diana parce que c'est une fille ». Bien au contraire. Après, je pense que c'est peut-être aussi les femmes qui, selon les caractères qu'elles ont, qui arrivent à se trouver leur place et à se fabriquer leur place. Alors, faites tourner un petit peu quelque chose et Kéliane va nous dire. Et du coup, nous, ici, en fait, en faisant solo... Oui ? Dans le casque, juste moins de batterie. Ah, mais moins de batterie, on n'a pas mis de batterie dans ton casque. C'est toi qui joues déjà trop fort. La roue tourne, c'est-à-dire que maintenant, j'enseigne là où j'ai fait mes débuts en tant qu'élève. Donc maintenant, je forme en fait des jeunes et je vais essayer de leur transmettre ma passion pour la technique dans le monde de la musique.